Bonjour. La compagnie Alix au Pays des Merveilles, c'est une compagnie de théâtre qui a été créée en 2019. Au départ, les premiers spectacles comme À deux c'est mieux ou Incroyable trouvaille pour ma poupée, c'était vraiment des spectacles conçus pour les jeunes enfants. Et en fait, au fur et à mesure des années, de nouveaux spectacles, de nouvelles créations ont vu le jour. Et c'est des spectacles, certains avec beaucoup de théâtre d'objets, d'autres avec un peu de marionnettes, un peu de contes, un peu de chants, des histoires en kamishibai. Et voilà, plusieurs spectacles ont vu le jour. Le spectacle Incroyable trouvaille pour ma poupée est un spectacle très interactif où les enfants pardon, peuvent vraiment participer, parler, communiquer avec la comédienne. Il y a le spectacle Au pays des animaux qui tourne plus autour du conte des trois petits cochons avec voilà, les animaux. Celui-là est adapté vraiment pour les très jeunes enfants. Et puis d'autres spectacles ont vu le jour. Le spectacle Paradisiaque qui est un spectacle qui montre un monde complètement envahi, contaminé et pollué par le plastique avec des créatures humaines, animales, hybrides, qui se sont adaptées à ce nouveau biotope et qui vivent ou survivent dans ce monde où il n'y a plus d'arbres, d'insectes et de fruits. Et voilà, des ateliers pédagogiques peuvent être aussi proposés en lien avec certains spectacles, notamment Paradisiaque et notamment Incroyable trouvaille pour ma poupée. Et il y a aussi des spectacles, ça c'est plus récent, ça fait 2-3 ans, de danse voltige et de danse verticale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec un baudrier d'escalade et une corde. Pour la danse verticale, on se suspend à une paroi, une falaise, un mur, par exemple la tour d'un château, et on va mettre ses pieds contre la paroi, le corps parallèle au sol, et on va pouvoir marcher sur le mur, sauter. Faire des voltiges arrière, des voltiges avant. Et c'est assez impressionnant. Voilà, c'est pas commun. La danse voltige, c'est différent. On est suspendu à une corde, toujours avec un baudrier d'escalade, mais plutôt avec un point d'accroche en hauteur, comme une poutre ou la branche pardon, d'un grand arbre. Et la corde permet à la personne qui fait de la voltige de marcher en rond. Plus elle a de mou, plus elle a de corde, plus elle va pouvoir faire un cercle, une circonférence grande, et plus elle prend de l'élan, voilà, plus il y a des envolées, et avec un système, une installation avec des poulies qui permet du coup un contrepoids, ça peut permettre aussi des envolées carrément dans l'air, dans le ciel de la personne qui voltige. Voilà, donc la compagnie propose des choses très variées et en plus de ça, il y a des déambulations nocturnes. Donc ça, c'est un spectacle qui s'appelle Créature avec une guide mystérieuse qui accueille le public et qui emmène le public à la rencontre d'un monde parallèle, un peu mystérieux, un peu fragile, poétique, où il y a des créatures mi-humaines, mi-animales. Voilà. Et il est possible aussi pour la compagnie de faire des spectacles sur mesure à la demande en fonction d'un projet. Voilà, plusieurs contes ont été faits dans des cadres différents d'événements. Et puis il y a des déambulations, des formules aussi déambulatoires voilà, qui peuvent aussi prendre forme. Merci.